Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui, vidéo où je ne mets pas de casque car le casque m'empêche d'activer les vidéos. Le son sera peut-être un peu de moins bonne qualité, mais j'ai déjà fait un essai, c'est plutôt pas mal, donc on peut m'entendre assez clairement. Donc voilà, je pensais à faire quelque chose sur la communication, donc qui est un élément important de la langue. Et je suis allé sur Al Jazeera, le site donc Ta'allum al-Arabiya aujourd'hui, et j'ai trouvé que justement ils avaient fait quelque chose qui vient de paraître, donc qui traite de la question de la communication. Et donc c'est le premier épisode. Donc c'est des situations donc de communication. Et la première situation, c'est tasharrafna, c'est-à-dire enchanté. Tasharrafna, quand on est enchanté, ben voilà, c'est traduit là, quand on est enchanté d'avoir rencontré quelqu'un, tasharrafna, voilà la formule arabe que l'on prononce. Donc on va regarder la vidéo. On peut peut-être regarder d'abord le vocabulaire ensemble, mufradat, ism, c'est un nom, usted, enseignant, taliba, étudiante, jamia, université, sadiqa, sadiqatun, ami, sadiqa, ou bien sadiqatun, si on veut prononcer la fin, ami, eskounou, ou bien uqimu, eskounou, ou bien uqimu, donc j'habite. Qimu qui littéralement serait plus proche de je réside, puisque on dit iqama même c'est la résidence. Bon, tout ça veut dire finalement j'habite. Eskounu ou bien qimu. Qurba, près. Mantiqatun, mantiqatun ou bien mintaqatun. Les deux existent, mantiqatun. Donc c'est l'endroit, la zone, la région. Mantiqatun, mantiqa ou bien mintaqa. Medina, la ville, Medina, la ville. Fursatun, une opportunité, une occasion, fursa. Ibarat, les expressions. Assalamu alaikum, que tout le monde connaît, donc c'est que la paix soit sur vous. Assalam, que la paix, alaikum, soit sur vous. Wa alaikum assalam, wa alaikum assalam, c'est et sur vous la paix. Tasharrafna, enchanté. Asharafulia, tout le plaisir est pour moi. Asharafulia, tout le plaisir est pour moi. Et pour moi, Fursatun Saïda, Fursa, occasion, comme on a vu, Saïda, heureuse, donc heureux de vous avoir rencontré. Fursatun Saïda. Donc on va d'abord écouter le texte, la vidéo, et vous essayerez de comprendre ce qui y est dit. Donc, on y va. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد محمود. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je répète, اسمي خالد محمود. اسمي, voilà, اسم, non. اسمي خالد محمود. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. A-t-elle dit, أهلا وسهلا. On verra après ce que ça veut dire. أنا اسمي سعاد منتصر. وأنا اسمي, elle a dit, وأنا اسمي. On peut dire, وأنا اسمي ou bien, وأنا اسمي. Le plus correct serait de dire وأنا اسمي سعاد محمود منتصر. تشرفنا أنيسة سعاد. تشرفنا أنيسة سعاد. Donc تشرفنا, c'est ce qu'on a vu là. تشرفنا, on a dit c'était enchanté. أنيسة سعاد. أنيسة سعاد, il a dit. الشرف لي. الشرف لي. Là, elle a continué, mais ça a été coupé dans la vidéo. Donc, peut-être qu'on le verra après. Donc, elle a dit Asharafouliya ya Ustad Khalid. Asharafouliya ya Ustad Khalid. On va grossir ça aussi. Hop, 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 hop. Asharafouliya ya Ustad Khalid. Ensuite. Hadihi Sadiqatuki. Hadihi Sadiqatuki. Sadiqatuki. Pourquoi il a. هذه, donc il dit هذه صديقتك. Donc on repasse ce morceau-là. هذه صديقتك. صديقتك. Donc هذه صديقتك. صديقتك. Donc
On verra plus tard. نعم هذه صديقتي فاطمة. نعم هذه صديقتي فاطمة. نعم هذه صديقتي فاطمة. أنا أستاذ في جامعة قطر و أنا أستاذ في جامعة قطر. أنا أستاذ في جامعة قطر. أنت أنا وأنت طالبة في نفس الجامعة. أنا طالبة في نفس الجامعة. أنا طالبة في نفس الجامعة. أنت من الأردن؟ أنت من الأردن؟ نعم أنا أردنية من مدينة عمان. نعم أنا أردنية من مدينة عمان. أنا أردنية من مدينة عمان. نقول عمان. أنا أردنية أتدي من مدينة عمان. وأنت يا دكتور؟ وأنت يا دكتور؟ Donc elle appelle docteur, docteur, alors qu'il a dit oustez. Donc c'est apparemment la même chose, ou c'est plutôt pour le flatter un petit peu. Ana souriyun min madinati Dimashq. Ana souriyun, il répond. Ana souriyun min madinati Dimashq. Ana souriyun, souriyun. Donc on reconnaît le drapeau. Que dit-il? Ben, c'est facile à deviner ici. Ana souriyun min madinati Dimashq. أقيم بالدوحة. أقيم بالدوحة. أقيم بالدوحة. وأسكن في منطقة الدفنة. وأسكن في منطقة الدفنة. بجامعة قطر. Alors là, j'ai raté un petit truc. الدفنة قرب جامعة قطر. قرب جامعة قطر. قرب جامعة قطر. Donc قرب Jamiati Qatar. Où c'est? On verra plus tard. Fursa Saïda, docteur Khalid. Fursa Saïda, il y a docteur, c'est ça qu'elle a dit? Il y a docteur Khalid. Fursa Saïda, docteur Khalid. Docteur Khalid. Fursa Saïda, Anissa Souad. Fursa Saïda, Anissa Souad. Donc, maintenant, la vidéo, ils vont nous mettre les mots écrits. Donc, i'ada, ça veut dire qu'on recommence. Il recommence la vidéo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Donc, vous pouvez vous entraîner à parler avec ces petites vidéos de communication. Ça vous mettra aussi, parce que c'est bien d'apprendre le vocabulaire des médias, mais ça vous prépare, il faut vous préparer aussi à être confronté à des situations réelles où vous aurez justement à vous présenter. Et c'est le but de ces vidéos-là. Wa alaykoum assalam. Wa alaykoum assalam. Wa alaykoum assalam. Ismi Khalid Mahmoud. Ahlan wa sahlan. Wa ana ismi Souad Muntasir. Tasharrafna Anissa Souad. Donc ismi, donc c'est pour dire mon nom est, je m'appelle, et après vous mettez votre nom. Par exemple, moi je vais dire ismi Fahmi. Vous allez dire votre nom. Ismi Nathalie. Ismi Mohamed, Ismi Tariq, etc., etc. Puis après, une fois que les noms sont présentés, Tasharrafna Anissa Souad. Donc c'est lui qui dit Tasharrafna, enchanté, Anissa. Donc Anissa, c'est mademoiselle Souad. Asharafli. Hadi. Asharafli. Donc le plaisir est pour moi. Et elle continue en disant Ya Oustad Khalid, je pense. On va voir le texte après. Sadiqatuki. Hadihi Sadiqatuki. Donc, c'est. Ça veut dire quoi, Hadihi Sadiqatuki? Il parle de cette fille-là qui est là, qui ne parle pas. Donc, il dit Hadihi Sadiqatuki. C'est ton ami. Hadihi. Celle-là. Sadiqatuki. Sadiqatuki. Sadiqa. C'est ami. Tuki. Le qui à la fin veut dire la tienne. Naam, هذه صديقتي Fatima. Naam, هذه صديقتي Fatima. Naam, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, c'est mon ami Fatima. أنا أستاذ في جامعة قطر وأنت. أنا أستاذ في جامعة قطر وأنت. Je suis enseignant, prof à l'université du Qatar. Et toi? أنا طالبة في نفس الجامعة. Donc quand on demande à une fille, on dit enti, 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 et quand on demande à un homme, enta. Donc elle a dit ana taliba fi nafs al-jami'a.
أنا طالبة في نفس الجامعة. أنا طالبة في نفس الجامعة. Donc je suis étudiante dans la même université. أنت من الأردن؟ أنت. Il s'adresse à elle. أنت. Et elle, si elle s'adresse à lui, أنت. أنت من الأردن؟ نعم. أنا أردنية من مدينة عمان. Oui. Donc je suis de la Jordanie, de la ville Medinati Amman. أنت يا دكتور؟ أنا سوري من مدينة دمشق. أنا سوري من مدينة دمشق. Oui, je suis syrien de la ville de Damas, دمشق. أقيم بالدوحة وأسكن في منطقة الدفنة قرب جامعة قطر. Donc أقيم بالدوحة. Je suis, je réside, j'habite à Doha. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Doha. وأسكن في منطقة الدفنة. وأسكن في منطقة الدفنة. Et j'habite dans la région, dans la zone de الدفنة. قرب جامعة قطر. Près de l'université du Qatar. قرب جامعة قطر. فرصة سعيدة دكتور خالد. فرصة سعيدة donc. Docteur Khalid, et lui il dit Force Saïda. Force Saïda, Anissa Souad. Anissa Souad. Voilà, donc le genre de situation dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Donc, Shahid El Fidio, regardez la vidéo, c'est ce qu'il conseille. Thumma Stamir il El Hiwar Ma'a Mutaba'ati Nassi El Maktoub. Puis, écoute le dialogue, il El Hiwar, Hiwar, ce dialogue, Ma'a Mutaba'ati en suivant. مع متابعتي en suivant نصي المكتوب le texte écrit ثم اتجه الى التمارين donc ensuite dirige-toi vers les exercices donc نص الحوار le texte du dialogue السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام اسمي خالد محمود je m'appelle خالد محمود Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ça veut dire c'est une façon de dire bienvenue, c'est bienvenue, une façon de dire bienvenue, ça peut vouloir dire salut aussi. Wa ana smi Souad Muntasir. Et moi je m'appelle wa ana et moi je m'appelle ismi Souad, Souad Muntasir, c'est son nom. Rajul. Donc tasharafna Anissa Souad. Donc enchanté mademoiselle Souad. الشرف لي يا أستاذ خالد. Le plaisir est pour moi, professeur Khalid. هذه صديقتك, صديقتك. Donc il lui parle à elle. هذه صديقتك. C'est ton ami. هذه صديقتك. الطالبة. نعم. Donc l'étudiante. طالبة. نعم. هذه صديقتي فاطمة. Oui, c'est mon amie Fatima. أنا أستاذ في جامعة قطر. Je suis professeur à l'université du Qatar. وأنتي؟ وأنتي؟ Et toi؟ وأنا طالبة في نفس الجامعة. Et moi je suis une étudiante طالبة في نفسي dans la même الجامعة université. أنتي من الأردن؟ Tu es de Jordanie؟ نعم. Oui. أنا أردنية. Oui, je suis jordanienne. من مدينة عمان. De la ville d'Oman. وأنت يا دكتور. Et toi, docteur. أنا سوري. من مدينة دمشق. De la ville de Damas. أقيم بالدوحة. J'habite à Doha. Donc, أقيم. Plutôt, je réside. Comme on a dit. Je réside à Doha. وأسكن et j'habite. Vous voyez la différence. Et j'habite في منطقتي. منطقتي ou منطقتي, c'est pareil. الدفنتي قرب جامعة قطر. Et j'habite في منطقتي. Donc dans la. Qu'est-ce qu'ils ont mis ici dans la région, dans la zone. Dans منطقتي, منطقة, منطقتي, endroit. Ouais bon. Endroit, c'est plutôt dans la région 2 ou dans la zone. في منطقتي. دفنة قرب جامعة قطر. Près de l'université du Qatar. فرصة سعيدة دكتور خالد.
Donc, heureux de vous avoir rencontré, Fursatun Saïda, heureux de vous avoir rencontré, Mutamo, occasion heureuse, Dr Khalid, Fursatun Saïda, Anissa, Souad. Voilà, donc ça c'est la première partie. Et il y a une activité 2, Nashat Tani, Nashat Al-Awwal, Nashat Tani. Donc l'activité 2 consiste aussi en une vidéo avec donc mawaqif tawasuliya, donc des situations de communication. Men anta. Donc la question qui est posée maintenant, c'est men anta. Le texte d'avant c'est tasharafna, tasharafna, donc enchanté. Maintenant c'est men anta. Men, c'est pas min, c'est men. Men qui veut dire qui. C'est pour une personne. Qui es-tu? Anta, c'est toi. Qui toi? Et donc le verbe être n'est pas en arabe, mais bien sûr, il est compris. Qui es-tu? Donc on va écouter le début de la vidéo, ou la vidéo, tout simplement. Sabah al-khayr. Sabah al-nour. Kayfa hal? Sabah al-khayr, sabah al-nour. On verra après ce que ça veut dire, peut-être que vous pouvez déjà deviner. Sabah al-khayr, sabah al-nour. Kayfa halouk? Bikhayl alhamdulillah. Donc il lui a dit Kayf haluk. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Kayf haluk. Donc on verra plus tard. Donc il a dit Bikhayl alhamdulillah. Anta huna ma'amman. Anta huna ma'amman. Anta huna ma'amman. Tu es ici. On traduira plus tard. أنا هنا مع والدي. أين والدك؟ وأين والدك؟ كان هنا منذ دقيقة. كان هنا منذ دقيقة. ولكن لا أعرف أين هو الآن. ولكن لا أعرف أين هو الآن. لا تقلق. ما اسمك؟ لا تقلق. ما اسمك؟ لا تقلق. ما اسمك؟ اسمي شاكر عبد الغفور الأسيوطي. اسمي شاكر عبد الغفور الأسيوطي. Ma jinsiyatuk. Ma jinsiyatuk. Donc c'est bien, ils nous mettent des cartes animées pour essayer d'associer les mots à ce qu'on voit. Donc il lui a dit ma jinsiyatuk. Ana msri. Ana msri. Kam umruk. Kam umruk. Kam umruk. Andi 10 sanawat. Andi 10 sanawat. On peut deviner quel genre de question il lui a posé. C'est exactement la taille de l'enfant. كم عمرك؟ Il lui a dit كم عمرك؟ أنا عشرة. Comment il a répondu؟ سنوات. عشرة. Je pense qu'il a dit. كم عمرك؟ عندي عشر سنوات. عندي. عندي عشر سنوات. هل تعرف عنوان أسرتك؟ هل تعرف عنوان أسرتك؟ هل تعرف عنوان أسرتك؟ Donc là, on peut imaginer aussi ce qu'il lui demande. هل تعرف عنوان أسرتك؟ أنا أسكن في فيلا رقم أربعة. في مجمع الزهور. في مجمع الزهور. Donc مجمع الزهور. Donc il est en train d'expliquer des choses. Vous pouvez deviner peut-être. هل تتذكر؟ بمنطقة الغراف. الغرافة. بمنطقة الغرافة. هل تتذكر رقم هاتف والدك؟ هل تتذكر رقم رقم هاتف والدك؟ Donc après on va voir le sens de tout ça. نعم أتذكره. نعم أتذكره. Après nous verrons le sens. رقم هاتف والدي. رقم هاتف والدي إضافة de trois mots. رقم هاتف والدي. سبعة خمسة. سبعة خمسة ثمانية أربعة ثلاثة اثنين واحد. السيد مات من كل شيء. السيد عبد الغفور. السيد عبد الغفور. نعم. أنا جاسم رجل أمن في مول إزدان. أنا جاسم. رجل أمن في مول إزدان.
ابنك شاكر معي الآن. ابنك شاكر معي الآن. معي الآن. لا تقلق. لا تقلق. حقا الحمد لله. أين أنتم؟ نحن بجانب البوابة رقم 3. كسيلادي نحن بجانب. نحن بجانب البوابة رقم 3. نحن بجانب البوابة رقم 3. سأكون معكم بعد دقيقة إن شاء الله. نحن بجانب البوابة رقم 3. سأكون عندكم بعد دقيقة إن شاء الله. سأكون عندكم بعد دقيقة إن شاء الله. الله. شكرا جزيلا سيد جاسم. شكرا جزيلا سيد جاسم. عفوا سيد عبد الغفور. عفوا سيد عبد الغفور. لا شكر على واجب. لا شكر على واجب. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. صباح الخير. صباح النور. Donc ici on peut voir quand il a dit صباح الخير, ils ont mis un nuage où on voit le lever du soleil. Donc صباح الخير ça veut dire bonjour. Donc c'est le matin. صباح الخير. صباح النور c'est la même réponse. صباح ça veut dire le matin. صباح le matin. صباح le matin. الخير ça veut dire bon matin en gros. الخير ça veut dire bon et la réponse صباح النور donc matin de lumière. Matin de lumière, sabah al-nour. C'est une manière de répondre. On peut répondre sabah al-khair aussi. Kayfa haluk. Donc ici, ça veut dire, on traduit, ça veut dire comment ça va, comment vas-tu? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc bikhair, ça veut dire ça va bien. Alhamdulillah. Et toute la louange est à Allah. أنت هنا مع من؟ أنت هنا مع من؟ Tu es ici avec qui؟ أنت هنا مع من؟ Tu es ici avec qui؟ مع من؟ Avec qui؟ أنا هنا مع والدي. Donc il reprend la partie de la question. أنا هنا مع والدي. Je suis ici avec mon père. وأين والدك؟ وأين والدك؟ وأين والدك؟ Où est ton père؟ كان هنا منذ دقيقة. كان هنا منذ دقيقة. Il était ici il n'y a pas même une minute. Mais je ne sais pas où il est à présent. Ne t'inquiète pas. Une expression importante. Utile. Ne t'inquiète pas. Ça aussi c'est important de savoir demander à quelqu'un son nom. Donc on n'a pas besoin de préciser, mais si, il faut, c'est bon de savoir que si on l'écrit, c'est mesmouki pour une fille et mesmouka pour un garçon. Mais on ne le prononce pas, puisque c'est le dernier mot de la phrase, on va dire mesmouk pour les deux, mesmouk. Donc Shakir Abdel Rafour, je pense qu'il s'appelle. Shakir Abdel Rafour. Et la Siyoti. Majinsi Atouk. Quelle est ta nationalité? Le Jinsiya, c'est la nationalité. Ana Misri. Kam Omrouk. Quel âge as-tu? Kam Omrouk. عندي عشر سنوات. J'ai 10 ans donc. هل تعرف عنوان أسرتك؟ هل تعرف عنوان أسرتك؟ نعم il a dit. Donc هل تعرف عنوان أسرتك؟ ça veut dire est-ce que tu connais l'adresse de ta famille؟ عنوان c'est l'adresse. هل تعرف عنوان أسرتك؟ نعم أنا أسكن. أسرة c'est la famille. عنوان أسرتك. L'adresse de ta famille. عنوان أسرتك؟ نعم أنا أسكن في فيلا رقم 4. أنا أسكن في فيلا رقم 4. جابيد دون لا فيلا 4. رقم سي لو نيميرو. رقم 4. جمع الزهور بمنطقة الغراف. بمجمع الزهور الزهور بمنطقة الغرافة. هل تتذكر رقم هاتف والدك؟ هل تتذكر رقم هاتف والدك؟ Est-ce que tu te souviens du numéro de téléphone de ton père؟ نعم تذكره. تذكره. Donc oui, je me rappelle. تذكره. رقم هاتف.
رقم هاتف والدي. رقم هاتف والدي. Donc le numéro de téléphone de mon père. 7 5 4 3 2 1. السيد عبد الرحمن. نعم. أنا جاسم رجل أمن في مول إزدان. ابنك شاكر معي الآن. أنا جاسم رجل أمن في مول إزدان. ابنك شاكر معي الآن. ابنك شاكر معي الآن. ابنك شاكر. Donc ton fils Shaker est avec moi maintenant. لا تقلق. لا تقلق. حقا. Vraiment. Alhamdulillah. Dieu soit loué. أين أنتم؟ نحن بجانب البوابة. نحن بجانب البوابة. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. سأكون عندكم بعد دقيقة إن شاء الله. Donc je serai avec vous dans une minute, إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد جاسم. عفوا سيد عبد الغفور. لا شكرا على الواجب. عفوا دو ريان سيد كومون سابيل عبد الغفور. لا سيد جاسم. عفوا سيد عبد الغفور. لا شكرا, لا شكرا على الواجب. شكرا جزيلا. لا شكرا على واجب ça veut dire دو ريان aussi. عفوا دو ريان. لا شكرا على واجب دو ريان. عفواً سيد عبد الغفور. لا شكر على واجب. Il n'y a pas de remerciement pour ce qui est un devoir. على واجب. واجب c'est un devoir. On ne remercie pas pour un devoir. C'est-à-dire c'est normal. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc la lecture du texte pour voir les mots comment ils s'écrivent et revoir le texte encore une fois. Donc, شاهد الفيديو, regarde, impératif, regarde la vidéo, le vidéo. ثم استمع إلى الحوار, puis écoute le dialogue. مع متابعة النص المكتوب. En suivant, مع متابعة النص المكتوب. النص المكتوب, c'est le texte écrit. ثم تجه, puis dirige-toi إلى التمارين, vers les exercices. نص الحوار. نص الحوار donc c'est le texte du dialogue, le script. رجل الأمن. صباح الخير الطفل. Donc رجل الأمن. رجل الأمن c'est l'homme de sécurité. Donc le gars de la sécurité. رجل الأمن. صباح الخير الطفل. L'enfant. صباح النور. رجل الأمن. كيف حالك الطفل. بخير الحمد لله. رجل الأمن. أنت هنا مع من؟ Tu es ici avec qui؟ الطفل. أنا هنا مع والدي. Je suis ici avec mon père. رجل الأمن. وأين والدك؟ Et où est ton père؟ الطفل. كان هنا منذ دقيقة. Il était ici à une minute. ولكن لا أعرف أين هو الآن. Mais je ne sais pas où il est maintenant. ولكن لا أعرف. Je ne sais pas. أين هو الآن؟ أين où il est هو الآن. Maintenant, رجل الأمن, le gars de la sécurité. لا تقلق, ne t'inquiète pas, ما اسمك, comment tu t'appelles, الطفل. اسمي شاكر عبد الغفور الأسيوتي. Je m'appelle, اسمي شاكر, je m'appelle شاكر عبد الغفور, nom de famille عبد الغفور الأسيوتي. الأسيوتي. رجل الأمن, le gars de la sécurité. ما جنسيتك. Quelle est ta nationalité? الطفل. أنا مصري. Je suis égyptien. رجل الأمن. كيف كم عمرك؟ كم عمرك؟ Quel âge as-tu? كم عمرك؟ الطفل. عندي 10 سنوات. J'ai 10 ans. رجل الأمن. Le gars de la sécurité. هل تعرف عنوان أسرتك? Est-ce que tu connais l'adresse de ta famille? الطفل. نعم انا اسكن في فيلا رقم 4. J'habite dans la villa numéro 4. في مجمع الزهور بمنطقة الغرافة. Dans le complexe في مجمع الزهور dans le complexe
pardon, qui s'appelle le complexe de villas, donc qui s'appelle Zuhur, les fleurs, Bimintakati, dans la région, dans la zone de l'Gharrafa. L'Gharrafa, c'est le nom de la zone, qui veut dire aussi l'Gharrafa, ça veut dire une carafe. L'Gharrafa. Rajulul Amn. هل تتذكر رقم هاتف والدك؟ Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? هل تتذكر? هل تتذكر? Une expression à retenir. Est-ce que tu te souviens? هل تتذكر? هل تتذكر رقم? Donc le premier, c'est un COD. Est-ce que tu te souviens de quoi? رقم. Donc il se termine رقم. Le premier élément de la structure possessive. إضافة. رقم هاتف والدك. Donc trois éléments ici. رقم هاتف والدك, le numéro de téléphone de ton père. الطفل نعم أتذكره. Bien sûr, je m'en souviens. أتذكره. هل تتذكر? أتذكره. Est-ce que tu te souviens? Je m'en souviens. أتذكره. رقم هاتف والدي, le numéro de téléphone de mon père. هو سبعة خمسة ثمانية أربعة ثلاثة اثنين واحد. رجل الأمن, le gars de la sécurité. Essayez-le Abdel Ghafour, monsieur Abdel Ghafour. El Walidou, Naam, le père. El Walid, Naam, Rajoulou M, le gars de la sécurité. Ana Jassim, Rajoulou M, Nin, je suis Jassim, un gars de la sécurité. Fimoul Isden, dans le mol Isden. Ibnouk Shakir Ma'i, El An, la taqlaq. Ton fils Ibnouka Shakir, ton fils Shakir est avec moi, Ma'i, l'an, maintenant, à présent. La taqlaq, ne t'inquiète pas. Al-Walid, haqqan, vraiment, alhamdulillah. Gloire à Dieu, gloire à Allah. Aina antum? Aina antum? Où êtes-vous? Rajul al-Amn, le gars de la sécurité. Nahnu bijanibi al-bawabati raqam talata. Nous sommes, bijanibi, à côté, al-bawabati, la porte, raqm thalatha, numéro 3. Al-walid, sa'akounu indakum ma'ana daqiqatin, insha'Allah, je serai avec vous, indakum, sa'akounu, sa' le futur, akounu indakum, auprès de vous, ba'ana daqiqatin, insha'Allah. Shukran jazilan, sayyidu jasim. Merci beaucoup, monsieur Jassim. Rajul al-Amn. Afwan, de rien. Je vous en prie, de rien. Sayyidu Abdel Ghafour. Monsieur Abdel Ghafour. La shukra ala wajib. Pas de merci, ou de rien, ça veut dire pas de merci pour ce qui est dû, ce qui est un devoir. Al-Walidu. Il est liqa. A bientôt. Rajul al-Amn. Il est liqa. Au revoir. A bientôt. Voilà, donc c'est bien ces petites conversations, ça permet de voir comment est utilisé le langage dans des situations de la vie, et que c'est complètement différent des situations du langage des médias ou des histoires. Les histoires se rapprochent déjà un peu quand il y a du dialogue, mais là c'est vraiment du dialogue qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Donc demander le nom de quelqu'un, lui demander si ça va, lui demander son âge, lui demander... où il habite, son adresse, est-ce qu'il se souvient du numéro, comment dire est-ce que tu te souviens, comment dire oui je me souviens, comment dire le métier qu'on exerce, etc. Donc c'est des situations importantes, et puis dans les situations surtout dans lesquelles, en tant qu'apprenant, qu'étudiant de la langue arabe, vous pouvez vous retrouver vous-même. Et donc c'est bien de connaître plein de mots, des médias, etc. Mais il faut aussi être capable de donner quelques informations sur soi-même, sans faire de faute, en ayant les mots qu'il faut, en connaissant les structures de phrases, les formules utilisées et tout dans ces situations-là, comment on dit bonjour, comment on dit à bientôt, comment on dit enchanté, etc., etc. Voilà, donc je pensais important de faire des vidéos de ce style aussi, et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle traduction, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.